Eh bien, salut tous amis, c'est Artin68 et aujourd'hui, bienvenue pour une nouvelle vidéo Roblox sur Lumber Tycoon 2. Vous me l'avez beaucoup demandé cette vidéo, quel bois faut-il prendre pour farmer un maximum? Pour avoir la réponse, il faut tout simplement regarder quel est le bois qui se vend le plus cher. Pour ça, nous avons le wiki de Lumber Tycoon 2 que je vous mets dans la description si vous voulez. Et on peut voir notamment sur ce graphique que le bois le plus cher, qui peut se vendre le plus cher, c'est en planche le fantôme. Le fantôme qui est le bois qui ressemble à ceci et qui est tout simplement le bois qu'on retrouve sous le pont qu'on peut accéder avec un œil. Sauf que le problème c'est que l'œil coûte très très cher et est très rare. Et vu qu'on est obligé d'accéder à cet arbre avec l'œil, eh bien c'est très très cher, très très pénible, donc je ne pense pas que ce soit une bonne solution. En troisième place dans le graphique, nous avons le bois de Frost qui se vend 9$ en bois normal et attention 106$ en bois de planche. Donc là en planche il se vend très très cher. Le seul problème du Frost c'est que il est très loin à aller chercher et en plus de ça il faut aller chercher des dynamites, donc ça veut dire qu'il vous faudra au minimum acheter une fois le pont, acheter deux dynamites pour l'aller et le retour, ce qui coûte quand même un petit billet, même si c'est pas grand chose, c'est quand même des petites dépenses à force, et le bois est très très loin à aller chercher, donc on prend énormément de temps. Donc pour moi, encore une fois, ce n'est pas le bois à aller chercher. Après, pourquoi pas, nous avons le Sinister et le Spooky. Le gros problème de ces deux bois, c'est que ce sont des bois qui sont tout simplement réservés à Halloween. Ils sont très très rares et ne spawnent du coup que à Halloween et d'ailleurs une seule fois par map. Donc c'est pas une option malheureusement pour se faire de l'argent. Mais si on descend un petit peu plus bas, nous avons le Volcano. Le Volcano qui est le bois rouge qui se trouve au-dessus du volcan. Et ce bois-ci, il est très très intéressant. Il correspond vraiment à tout ce qu'on a besoin pour farmer du bois. Il est très facile d'accès, on peut y accéder juste avec une voiture, on n'a besoin de rien acheter. Le seul petit bémol, c'est qu'une fois qu'on est arrivé en haut, il faut avoir de la chance pour redescendre avec la voiture, à moins que peut-être qu'on peut redescendre par l'intérieur du volcan, à tester. Le Volcano qui se vend donc 3,5 en bois normal, c'est vraiment pas fou, mais qui se vend, attention, 28$ en planche. C'est quand même déjà plutôt sympa et en plus on peut en faire en grosse quantité sans trop de problèmes, donc c'est vraiment chouette. En plus de ça, le bois, c'est un avantage comme un inconvénient, il est très très gros. Donc le truc c'est que vous allez vendre beaucoup beaucoup de planches en fait. Les planches vont se revendre très cher car elles sont très larges. Mais le petit bémol, c'est qu'il faut avoir une grosse scierie, sinon les gros morceaux de bois ne vont pas rentrer. Mais pour ceux qui ont une grosse scierie, je vous conseille le Volcano, car comme je viens de le dire, il est très intéressant, on peut le chercher très facilement et il apporte beaucoup d'argent. Mais pour ceux qui viennent vraiment de commencer, le Volcano n'est vraiment pas pratique. C'est pourquoi pour ceux qui viennent vraiment de commencer le jeu et qui ont vraiment la toute première scierie, la toute petite, je vous conseille honnêtement d'aller chercher du birch. Donc le boulot qui se vend 2,25$ en bois normal et 15$ en planche. Les planches sont quand même plutôt pas mal, c'est assez respectable par rapport à la taille que c'est et en plus il n'est vraiment pas rare. Il se trouve juste en dessous du volcan, donc voilà, vous avez juste à monter par le petit chemin, c'est juste le bois blanc qui est juste ici. Et ce qui est vraiment chouette, c'est qu'il y en a partout et en plus il est très très fin. Donc ça pourra vraiment rentrer dans toutes vos scieries. Donc c'est un bois qui est vraiment parfait pour le farmer. Facile d'accès, très petit et en plus en grande quantité. Donc pour moi, pour répondre à la question quel bois faut-il prendre pour farmer un maximum et gagner le plus d'argent possible, ce serait tout simplement le bois de boulot pour ceux qui viennent de commencer le jeu et qui n'ont pas beaucoup de moyens, et pour ceux qui ont un peu plus de moyens, monter tout en haut du volcan pour chercher le bois de lave. Si vous ne savez pas comment aller chercher tous ces bois là, je vous montre à l'écran toutes les vidéos qui montrent comment aller chercher certains types de bois. Au moins si vous voulez chercher d'autres bois, vous pourrez grâce à ces vidéos. J'espère que la vidéo vous a plu. Merci de l'avoir regardé. N'hésitez pas à pouce bleu, commentaire et abonnement. Et moi je vous dis portez-vous bien. On se dit à la prochaine. Ciao ciao.